Good morning, everyone, and it's a pleasure to welcome Foreign Minister Medelci here to Washington for consultations. I've had the opportunity to work with him now, and it's a great tribute to the strong bilateral relationship between our two countries that we have ongoing consultations like this. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir accueillir à Washington Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Medelci. J'ai eu de nombreuses occasions dans le passé à travailler avec Monsieur Medelci, et cela est un témoignage de l'excellente qualité de nos relations bilatérales, le fait que nous puissions avoir des consultations régulières de cette nature. Our two nations have worked closely on security and economic issues, particularly counterterrorism, for more than a decade. Nos deux pays ont travaillé ensemble sur tout un ensemble de dossiers, notamment sécuritaires et économiques, depuis plus d'une décennie maintenant. Algeria is a charter member of the Global Counterterrorism Forum, which we launched last September in New York, and we recently initiated a counterterrorism contact group to further facilitate cooperation in the Sahel. L'Algérie est un membre fondateur du Forum global du contre-terrorisme que nous avons lancé en septembre dernier à New York et au sein duquel nous avons récemment démarré le groupe de contact du contre-terrorisme afin de renforcer la coopération dans ce domaine au Sahel. We discussed the evolving situation in Syria and the need to end the Assad government's assault on its own people. Nous avons eu une discussion détaillée sur l'évolution de la situation en Syrie et nous sommes convenus qu'il était impératif que le président Assad cesse cette agression violente contre sa propre population. Algeria has participated in the Arab League's monitoring mission in Syria, but regrettably, the violence has not stopped, and we will continue to work with Algeria and all our partners in the Arab League to end the violence in Syria and to hold those responsible for the violence accountable. L'Algérie a participé à la mission d'observation de la Ligue arabe en Syrie, mais malheureusement, les violences n'ont pas cessé. C'est pourquoi nous souhaitons poursuivre cette coopération avec l'Algérie et tous nos partenaires de la Ligue arabe pour faire en sorte que les violences cessent en Syrie et que le gouvernement soit tenu comptable pour ses actes. We also discussed Algeria's upcoming parliamentary elections and ongoing political reforms. The United States is committed to working with Algeria to support an open, free, democratic nation with a thriving civil society and institutions that give the Algerian people the future they so deserve. Nous avons aussi discuté des prochaines élections législatives prévues en Algérie et les États-Unis se tiennent prêts à aider l'Algérie à tenir des élections libres, équitables et faire en sorte que l'Algérie se dote d'une société civile et d'institutions au service des aspirations de toute la population. We thanked Algeria for the support it has given to Tunisia and Libya. We encouraged greater cooperation with Morocco and an active role in the UN-led negotiations to resolve the conflict in Western Sahara. Nous avons remercié l'Algérie pour l'aide qu'elle a apportée à la Tunisie et à la Libye. Nous avons encouragé l'amélioration de la situation avec le Maroc et nous avons encouragé l'Algérie à participer aux négociations menées par l'ONU pour résoudre le conflit du Sahara. So I appreciate this time together, Minister, and look forward to many more opportunities to work together. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié cette rencontre que nous venons d'avoir, Monsieur le Ministre, et je me réjouis à l'idée d'avoir beaucoup de rencontres avec vous dans un avenir proche aussi. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Secrétaire d'État. Je me réjouis de vous rencontrer en ce début d'année. J'espère que ce n'est que la première rencontre de l'année et que la prochaine se fera en Algérie avec votre prochaine visite. Et je voudrais partager avec vous le sentiment qui est un sentiment très sincère et en même temps très profond de la qualité de la relation que nous avons avec votre pays dans tous les domaines et en particulier dans les domaines les plus sensibles qui rejoignent donc l'effort que nous devons faire pour ramener la paix dans nos différentes sous-régions
et pour surtout donner le plus de chances à l'ensemble des pays de la sous-région pour aller vers du sous-développement vers le développement. Thank you very much, Madam Secretary. I was delighted to have this first meeting with you early in this new year, and I do hope that our upcoming meeting, our next meeting, will be in Algiers, where you are invited. And I can only applaud the quality of the discussions that we have had, and we have all working together to work on all of these sensitive and difficult issues, and we are all striving and working together to improve the conditions of the inhabitants of these regions. Comme vous l'avez mentionné, Madame la Secrétaire d'État, l'Algérie ne ménagera aucun effort pour continuer de façon permanente à améliorer ses relations avec les pays du voisinage, qu'il s'agisse du Maghreb ou du Sahel. Et nous comptons, en ce qui concerne cette démarche, sur l'apport des pays partenaires et singulièrement sur la contribution importante de votre pays. And as I stated, Madam Secretary, Algeria will spare no effort to help improve our relations and the situation in the Maghreb and the countries of the Sahel. And of course, in order to do so, we are counting on the support of our partners, notably the United States. Vous avez bien voulu évoquer la question de la Syrie, donc nous avons effectivement aujourd'hui une même acception lorsqu'il s'agit de dénoncer les violences. Et je saisis cette occasion pour dire que la mission de la Ligue arabe a besoin du soutien de la communauté internationale. Elle s'honore du soutien des États-Unis d'Amérique et saisir également cette opportunité pour demander à la fois au gouvernement syrien, mais également à l'opposition syrienne, d'aider réellement la Ligue arabe dans cette initiative qui n'est pas si simple, qui est complexe, mais ô combien nécessaire. We did indeed talk about the situation in Syria, and we did have a concurrence of views. Both sides denounced the violence which is taking place in Syria. And in this respect, the Arab League's mission needs all of the support that it can get from its international partners, and notably, we pride on the fact that this mission benefits from the support from the United States. And in this regard, I would like to take this opportunity to urge all parties in Syria, be it the government or the opposition, to work together with the Arab League in order to help solve this extremely complex problem and issue. L'Algérie est présidente du groupe des 77 plus la Chine depuis hier, et je voulais que notre première visite soit justement pour Madame Clinton, parce que un des messages que nous voulons porter au sein du groupe des 77, c'est celui de pouvoir consolider les passerelles entre ce groupe et les autres groupes. Algeria has acceded to the chairmanship of the group of 77 of the United Nations since yesterday, and on this occasion I thought it would be most important that our very first meeting would be with you, Madam Secretary, because one of the major efforts that the group of 77 wants to carry out in the future is to increase bridges between our group and our partners. Formulons de nouveau le vœu que l'année 2012 soit une année meilleure que celles que nous avons connues par le passé, qui ont souvent été des années difficiles, et formulons le vœu que la relation entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique poursuive son cours dans le sens d'une compréhension toujours plus grande et d'une densité des relations toujours plus forte. Merci, madame. So let us express the wish that this year 2012 will be a better, more peaceful year than some recent years that we have experienced lately. And let's hope that our cooperation between Algeria and the United States will grow even more strong and more intense. Thank you very much, Madam Secretary. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Madam Secretary. Just yesterday, you were talking with us about the efforts by the United States to talk with the Taliban. And unfortunately, today, we have this video of U.S. Marines apparently desecrating the bodies of dead Taliban. Is this going to complicate and make much more difficult talks with the Taliban? And have U.S. officials heard anything from the Taliban about that video? And just one connected with the talks,
You mentioned Mr. Grossman, Ambassador Grossman, will be there, discussing this issue. Are you absolutely convinced that President Karzai is totally on board with these talks? And then if I might, in our old tradition of adding one more important issue, which it really is, Pakistan, a lot of political instability there, the civilian government under pressure from the military. What is the U.S. doing to shore up that very fragile civilian government? Thank you. Well, Jill, first, I want to express my total dismay at the story concerning our Marines, who I have the highest respect and admiration for, but I share completely the views expressed by Secretary Panetta earlier today. I join him in condemning the deplorable behavior that is reflected in this video. It is absolutely inconsistent with American values, with the standards of behavior that we expect from our military personnel, and that, you know, the vast, vast majority of our military personnel, particularly our Marines, hold themselves to. So I know Secretary Panetta has ordered a complete investigation of this incident. Anyone found to have participated or known about it, having engaged in such conduct, must be held fully accountable. Now, with respect to the implications of this, as I said yesterday, the United States remains strongly committed to helping build a secure, peaceful, prosperous, democratic future for the people of Afghanistan. And we will continue to support efforts that will be Afghan-led and Afghan-owned to pursue the possibility of reconciliation and peace. We don't have any idea standing here today what the outcome of such discussions could be. I think all of us are entering into it with a very realistic sense of what is possible, and that includes, of course, President Karzai and his government, which after all bear the ultimate responsibility and the consequences of any such discussions. I'm not sure we need to interpret this all. Secondly, with respect to Pakistan, I was delighted to welcome the new ambassador here yesterday. She's someone that I've known for some time. My message to her was very straightforward. The U.S.-Pakistan relationship is crucial to both of our countries, to the future of our people, to the safety and security of South Asia and the world. We recognize there have been significant challenges in recent months, but we are steadfastly committed to this relationship and working together to make it productive. So we will continue to do so, and we obviously have expressed a lot of concerns about what we see happening inside Pakistan. It has been our position to stand strongly in favor of a democratically elected civilian government, which we continue to do. And we expect Pakistan to resolve any of these internal issues in a just and transparent manner that upholds the Pakistani laws and constitution. Next question is from Leila Bin Raja, Algerian Thank you. How do you see the political reforms introduced by Algeria? And the second question, what is your position about the Western Sahara question? Thank you. Quelle est votre appréciation des réformes entreprises, les réformes politiques entreprises par l'Algérie, et quelle est votre appréciation de la situation au Sahara? Well, let me begin by saying that Algeria has undertaken very significant reforms, and we welcome those. We want to see Algeria having a strong democratic foundation that reflects the aspirations of the Algerian people. We commend the government of Algeria's recent efforts in that direction.
Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que nous nous félicitons des réformes qui ont été engagées par le gouvernement algérien. Nous voulons que le pays soit basé sur des fondations démocratiques extrêmement fortes et nous nous félicitons de la participation de plein pied de la population algérienne. We will be eagerly watching the outcome of the parliamentary elections. I am pleased to hear that more women will be participating and we are also very supportive of the Algerian government's invitation to international organizations to monitor the elections. Nous allons suivre de très près l'issue de ces prochaines élections législatives. Nous saluons le fait qu'il va y avoir une augmentation de la participation des femmes à ces élections et nous nous félicitons également des invitations qui ont été lancées aux organisations internationales afin de faire mission d'observation dans le cadre de ces élections. And we're also encouraged by the Algerian government's moves to open up the broadcast media so more voices can be heard. We think that's very much in keeping with the goal of greater democratization that the government has committed to. Nous nous félicitons également des projets du gouvernement visant à ouvrir l'espace des médias électroniques et cela me semble être tout à fait conforme à cette aspiration d'élargissement du champ démocratique en Algérie. And with regard to the Western Sahara, our policy has not changed. We continue to support efforts to find a peaceful, sustainable, mutually agreed upon solution to the conflict. We support the negotiations carried out by the United Nations, and we encourage all parties, including Algeria, to play an active role in trying to move toward a resolution. Et en ce qui concerne la situation au Sahara, notre politique demeure inchangée, c'est-à-dire que nous sommes en faveur d'une solution pacifique, durable et acceptée par toutes les parties concernées. C'est pourquoi nous appuyons totalement la démarche des Nations Unies et nous encourageons toutes les parties concernées à jouer un rôle encore plus actif dans la quête d'une solution à cette question. Do you care to add anything, Minister? Moi, puisque aucune question ne m'est posée, je me contenterai simplement de confirmer que nous sommes disposés à travailler avec tous nos partenaires sur les questions de développement sans exclusion aucune et que l'occasion des prochaines élections sera une occasion importante de traduire dans les faits cette coopération, y compris avec les États-Unis d'Amérique, comme vous voulez de le souligner, Madame la Secrétaire d'État. Peut-être. Since no question was asked of me directly, I would probably just seize this opportunity to say that we are ready to work with all of our partners on the development issues. And since indeed these upcoming elections are to take place, we are indeed ready to work with all of our partners. Pour la question du Sahara occidental, je ne saurais dire mieux les choses que vous-même, Madame la Secrétaire d'État, sauf à souligner ce que j'ai appris hier et que officiellement le Monsieur le Secrétaire général de l'ONU devra, si ce n'est déjà fait, confirmer, à savoir une prochaine rencontre en février entre les parties directement concernées aux États-Unis. With respect to the situation in Western Sahara, I don't think I could have summarized it any better than you did. Other than just to say that I just learned yesterday, in fact, that the Secretary General of the United Nations is planning a meeting in February involving all parties concerned. Thank you. Thank you.